Et bien salut tout le monde, c'est XVSky, aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une aventure carte hors ligne. Ok. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles tenues? Non, pas de nouvelles tenues. Ok, bon, si on y allait. Wow. Si tu me dis pour qui tu travailles, j'irai doucement, promis. Faut aller où? Ah, il est là-bas. Je me fais toujours rembarrer quand je propose ça. Merci mon gros. Je te tiens. Vulture ? Ça faisait un bail. Je sens qu'on va beaucoup s'amuser. Désolé, pas le temps de causer. Vite, t'accroches, hein ? Non ! What ? Oh là là, vous auriez pu me dire qu'il fallait appuyer sur une gâchette. Bon, c'est pas grave, on recommence. Allez. Désolé, pas le temps de causer. Mais où? Ok, j'ai rétabli le système de vidéosurveillance. Et ça donne quoi? Eh bien, on dirait que toute la population du Raft s'est fait la belle. Y compris Martin Lee. Ça nous fait donc 5 de vos ennemis mortels qui sont désormais dans la nature. Ah, pendant une seconde, j'ai cru que vous étiez sérieuse. Je suis très sérieuse. Il faut que j'y aille. Il y en a qui prennent la direction de la ville. C'est une crise. Pas casse-couille, mec! Cours toujours! La fête est presque finie! What? Electro! Arrête! Comment tu trouves mon nouveau costume? Très classe! Où tu l'as eu? Je suis membre d'un club. Rappelez-vous, il a dit de ne pas le tuer. Bonne idée. On n'est même pas obligé de se battre, hein, si vous voulez pas. Oh, mais on emmerde en vie. Docteur Octavius. Premier et dernier avertissement. Ne te mêle plus de nos affaires. Vous avez tous reçu une mission. Vos dettes seront réglées quand ce sera fini. Partez! Il est là!
Toutes ces années. Tous ces mensonges. C'est fini, Norman. Ils vont savoir la vérité. Mais, tout va bien? Oui, ça va. Pourriez-vous distribuer ça à ma place? Oui, bien sûr. Mais les experts travaillent jour et nuit pour trouver un remède au virus. La quarantaine de la ville est appliquée avec autorité. Par Sable International, qui assure fermement la sécurité de tous les points d'accès. À travers la ville, la police et les agents de Sable luttent toujours contre les évadés du Raft et de Riker. Pendant ce temps, le maire Osborne a publiquement accusé Spider-Man d'avoir causé l'évasion et l'épidémie, avant de le qualifier de fugitif. Cependant, aucune preuve n'a été apportée. Beaucoup pensent que le maire cherche à fuir ses responsabilités, depuis qu'une enquête du Bugle a révélé que le virus qui se répand dans la ville a été créé dans un laboratoire secret et clandestin d'Oscorp à Manhattan. Le maire Osborne assure qu'Oscorp travaille en ce moment... Éteignez-moi ça ! ...sur un sérum, mais là encore, aucune preuve n'est venue confirmer ses déclarations. Comment ça a pu arriver? L'hôpital vient de me téléphoner. Ils disent que vous vous êtes enfui. On n'a pas de temps à perdre. D'après les médecins, vous avez 14 os encore cassés, au moins. Ouais, autrement dit, j'en ai encore 192 intacts. Et merci pour votre aide, au fait. Le plus dur a été de vous cacher aux yeux de Sable. Ils vous ont catalogué comme cible prioritaire, vous savez. Je le prends comme un compliment. Qu'est-ce qui arrive à notre ville, Yuri? J'en sais rien. Ça ressemble à la fin du monde. C'est peut-être ça. Je suis là pour vous aider. Parfait. Les prisonniers en fuite se regroupent pour prendre le contrôle de quartiers entiers. Tout piller, menacer les résidents, et j'en passe. Je m'occupe d'eux. Autre chose ? Le maire a donné carte blanche à Silver Sable pour retrouver Martin Lee et Octavius. Elle embarque des gens à l'appel et les retient dans des bases aux quatre coins de la ville. D'après les rumeurs, ils pratiquent même des interrogatoires augmentés. Ouais, de la torture, quoi. Ne vous en faites pas. Je m'en charge. C'est notre ville, Yuri. Et on va la reprendre de force. Super. Mes hommes sont sur les traces des super-vilains. Je vous tiendrai au courant de nos avancées. Pour l'instant, tâchez de stabiliser la ville. Elle est sympa, ça. Ouais. Ouais, on en a un dernier à fond. Bah là, vous me faites chier! Bah alors, on tape sur ses potes, y'a un problème!
Allez, où ça? Vous savez que vous l'avez mérité quelque part, non? Faut faire quoi là maintenant? Parce que. On se balade, mais je sais pas ce qu'on doit faire en vrai. Qu'est-ce qu'on a là? Au moins des gars. Ah, ça c'est pas mal. Je vais bien, mais je suis prudent. C'est pour toi que je m'inquiète. Oh non, ne te t'inquiète pas. Le refuge Vite, c'est l'endroit le plus sûr de la ville en ce moment. On ne peut pas en dire autant de nos montagnes au nord de la ville, mais ici, on est en sécurité. Pourvu que ça dure, je passerai dès que j'aurai un moment. Je t'aime. Je t'aime aussi, Peter. Hey, lâche ton arme! Vous plaignez, mais moi, vos armures, elles me font mal au poing. Dites, quand vous m'attaquez, c'est à cause de vos troubles mentaux ou bien... Ouais, faites des prières! Faites des prières, mon petit Spidey! Équipe de sable sur place, rapport de situation du repère Chinatown. Observation établie, la cible prioritaire. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oh, tout ça pour moi? Pas de choix. Hé, hey, les gars! Je vais finir par porter plainte pour harcèlement! Je dois me débarrasser de leur armure. Waouh! Allez. Putain! Les agents de sable, ils sont pas faciles à tuer! Enfin, à battre. Voilà! En espérant que ça ralentisse un peu ça. Spider-Man, les détenus du Raft ont refait surface. Et ils assiègent nos commissariats. Mes hommes ont besoin de votre aide. Tout de suite. Rejoignez un point d'observation dans le centre, et je vous expliquerai. Je suis en route. Octavius ? Non. Deux de ces larbins. On est toujours à sa recherche. Pour être honnête, je suis pas rassuré. Le docteur doit être le super vilain le plus intelligent que j'ai jamais connu. Ouais. C'est bien ça qui m'inquiète. Tenez bon, capitaine. J'arrive, capitaine! Je vous sauverai! Avec ma speed orbite! Ici, centrale de sable, vous pouvez faire le point sur notre position à Kills Bay? Centrale, fugitive localisée, on se lance à leur poursuite. Allez, juste! Pourquoi est-ce qu'il se fait chier alors qu'il n'y a plus personne en ville en vrai? Détruit.
Les gentils ont encore gagné. Allez. Ah, du coup, on va peut-être devoir affronter Sabre. Parce que vu qu'elle a pas l'air trop pour que je sois... Oula, faut aller là-haut, d'accord. Allez, Spidey! Ok, capitaine, je suis en place. Dites-moi tout. Rhino est en train d'assaillir le commissariat d'Upper West, Electro celui d'Upper East. Empêchez-les de prendre le dessus. L'un ou l'autre, de toute façon, c'est la même galère partout. Allez! Peter, tu as un moment? On a besoin de toi à l'annexe Fist, dans le nord. Le refuge des vétérans à Harlem? Qu'est-ce qu'il y a? Les évadés de Riker exigent des vivres et du matériel. Les employés se sont barricadés, mais ils ont besoin d'aide. Je me rends sur place avec Miles pour faire évacuer le personnel. Surtout, ne faites rien avant que j'arrive. On se retrouve à Harlem. Merde, il est épuisé. Pourvu qu'il soit pas malade. Il faut que j'aide Yuri et direction Harlem. Yay! Ah, un petit téléporteur, ça aurait été sympa quand même. Ah, moi je crois qu'il y en a, mais bon. Yuri, j'arrive au commissariat Upper East. Super, Electro et les démons empêchent mes hommes de sortir. C'est une situation compliquée. Vous comprendrez une fois sur place. Yuri Watanabe, la reine du suspense. Ah, j'ai tout qui gratte. Ah, ah, c'est immonde. Comme par hasard, dans une zone où j'ai absolument rien découvert. Bonjour, monsieur. Attention, les fugitifs sont en train de cambrioler un poste à l'initiative. Le signalement provient de Gracie Mansion. Terminé. Grosse galère. Transformateur électrise le bâtiment et piège les policiers à l'intérieur. Yuri, c'est pas compliqué, c'est pire. Je vais devoir désactiver les transformateurs pour libérer vos hommes. Même si vous y arrivez, ils auront encore besoin de votre aide contre les démons. Je suis là pour ça. Problème d'électricité, de démons, non, mais... rendez-vous. Transformateur en tour. Je peux les faire surchauffer en les recouvrant de poils. Enfin. Ah! Ouais, mais si je me fais agresser de ouf là. Encore 4 essais pliés. Ces délires perchés de super vilain. Ça m'avait manqué quand il était au raft. Piéger la police avec un réseau de transformateurs. Et d'où ça sort, ça? Deux. Il est où l'autre? Ah! Oh là, ça me stresse, commence à avoir envie de me gratter, je sais pas pourquoi. Ah!
transformateur qui gêne la police est suspendu à cet hélico. Wow. Je parie que personne n'avait jamais prononcé ces mots-là dans cet ordre précis. Comment ils ont fait pour accrocher? Voilà. Pas facile, hein. Les policiers sont libres, mais les démons lâchent rien. Je dois les assister. Oh, il y avait le gars sur la porte. Ah, c'est pas lui jouer taper, mais bon, c'est pas grave, on fera avec. C'est lui que je veux. What? Bon, on va pas se faire chier. Reste couché. Couché, j'ai dit. Yuri, vos âmes sont hors de danger. Et maintenant? Rendez-vous dans l'Upper West Side. On veut abriter les civils, mais Reno nous met des bâtons dans les roues. Comme d'habitude, j'arrive. C'est tout? Miles, c'est pas de combat de boss? Pete, salut. Mem a demandé de t'appeler. C'est la grosse cata au refuge des vétérans. Les prisonniers essaient de défoncer les portes. Mary Jane est là. On peut sortir les gens par le sous-sol, mais on a besoin de renforts. J'espère que tu peux venir rapidement. Je dois sauver les commissariats et filer à Harlem. Ouais, enfin la police pourrait se démerder un petit peu sans toi de temps en temps, hein. Ce que j'ai pas envie de dire, mais c'était pas trop pour que tu sois là, hein, de base, hein. À toutes les unités, les évadés ont déclenché une émeute. Besoin de renfort à Bloomingdale. M'en fous, moi je vais là-haut. Come on, hurry. Come on, huh? Come on, come on. Rino s'est sauvé. Les anciens pensionnaires de Riker s'attaquent aux barricades de la police. Je vais rééquilibrer les forces. Allez-y, si ces barricades tombent, je donne pas cher de leur peau à l'intérieur. Là. Il est où le cache au-dessus? Ah. Ben alors, monsieur. Merci, Spider-Man. Allez, aidez nos collègues. J'ai jamais vu Reno s'éclipser pendant un affrontement. Il doit bosser sous les ordres de Dr. Octavius. Il faire des attaques éclairs dans toute la ville sur les brigades d'intervention. Allez hop, la police, salut! Moi, squad disponible, ok. Oui, j'y vais!
payer un sandwich quand même après, hein. Ah, bordel, et bien sûr, il y a un gros. Voilà, un petit souci de réglé. Face de moi en pleine tronche. Bah alors, c'est moi le fier, hein. D'accord. What? Pas tant que je serai là, je m'en occupe. Allez. À toi de libérer. J'arrive. Ouais, occupez-vous de Spidey là, hein? What? Cible prioritaire en vue, pacification imminente. Y'a des moyens plus simples de demander un autographe. Ouais. Des jetpacks? Quelqu'un a eu l'idée brillante de leur filer des jetpacks! Les gars, on est dans la même équipe! Au moins, attendez qu'on ait vaincu les fugitifs avant de m'attaquer! Tous les hors-la-loi seront pacifiés. Pacifiés? Vous trouvez pas que ça fait grosse repompe de 1984? Quoi? Y'a quoi? Personne d'autre, sérieux? Allez, il me faut mon focus, là. Il gros. Mais c'est une blague. Saleté quoi! Oh mon dieu! Ouais, ready? What? T'es en train de me dire que t'arrives pas à monter ça? Non mais c'est une blague, t'as... Commando aérien de sable hors jeu. Faut encore que je neutralise les évadés Driker. Salut. D'abord. Yuri, le commissariat est sécurisé. Et j'ai vu ce que ça faisait d'être la cible prioritaire de sable. C'est pas drôle. Ça vous apprendra à emmerder des mercenaires internationaux. C'est ça. Bon, je vais devoir me déconnecter. Vous m'appelez si ça part en vrille. Ça marche, et merci. Grâce à vous, on peut leur tenir tête. Ok. Je dois foncer à Harlem, à l'annexe Fist, pour aider May. Ah, voilà, Peter. On a besoin de toi au refuge des vétérans. T'es où? J'ai été retardé. Tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe?
Les évadés ont allumé un incendie. On a fait évacuer le personnel, mais Tante May et Miles sont piégés à l'intérieur. J'essaye de les rejoindre, mais les flammes se propagent super vite. Reste où tu es, MJ. Je m'en occupe. Sans... Dépêche, Peter, dépêche. Ouais, Peter, dépêche. Équipe de sable, besoin d'un topo immédiat sur Bloomingdale. Statut poste de contrôle 5 sur 5. On intercepte tous les suspects. Mm-hmm. Oh, sérieux? Non, mais... Wow! Stop, please, hein? Peter, les sapeurs-pompiers sont en route et j'ai trouvé une issue de secours pour accéder... MJ, reste où tu es! J'ai déjà assez de monde à sauver comme ça! Peter, fais pas l'idiot! Attends les secours! Mais! Mais! Par ici! On est par ici! Je vous tiens. Tenez bon! Mais, vous allez bien? Approchez-vous de la fenêtre! C'est trop loin! Tenez bon! Ok, accrochez-vous! Allez, espèce de sale! Allez, mais je vous tiens! Oh mon Dieu! Allez-y! Allez! Miles, allez! Elle va bien? Tout le monde est sauvé. MJ, si vous aviez pas été là, toi et Miles, je serais... Mort, oui. Tout comme moi les 36 000 fois et demi où tu m'as sauvé la peau. Je crois que t'as encore un peu d'avance. Oh, ça fait mal. Hey. Désolée pour le plan foireux, c'est juste... C'est... pas facile d'être celle qui se fait sauver tout le temps, tu vois. Des fois, je voudrais inverser les rôles. Je suis désolé, j'aurais dû te faire plus confiance. On est encore partenaires ? Toujours. Eh, hey, je savais pas si vous vouliez de l'eau minérale ou de l'eau de source ou plate ou gazeuse. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris une de chaque. Je vous ai interrompu. Non, MJ, Miss Watson et moi discutions stratégie. Stratégie? C'est ça. La ville est en danger. Elle a besoin de notre aide. Oui, de toute notre aide. Ok, coach. Bon, c'est quoi le plan? Ok. Diviser pour mieux régner. Miss Watson, il nous faut un antisérum pour le souffle du diable. Oscorp cherche un traitement. Mais il n'y a aucune chance qu'il puisse le garder en sécurité contre Octavius Ellie. On doit trouver le remède et le protéger. Je vais chercher des pistes. Miles, tu seras mes yeux et mes oreilles au centre Fist. Au moindre pépin, appelle-moi. Il faut qu'on protège le refuge et tous ceux qui s'y trouvent. Ok, ça roule. Et vous allez faire quoi?
Ces détraqués en costume croient qu'ils peuvent saccager la ville. Je vais leur montrer qu'ils ont tort. Ok, ok. Hé, attendez, comment je vous appelle? Je veux dire, vous avez un portable? Dans une poche ou enfin, je sais pas. Miss Watson va te donner mon numéro. Allez, bon courage. T'as son numéro? Quoi? T'es sa copine? Ah, c'est tellement cool, hein. Ah. Allez, Sherlock, montre-moi un peu ta collection de bouteilles, là. Bon, on a un peu repris le contrôle de la ville. Miles surveille le fist, MJ cherche le remède au souffle du diable. Je peux enfin me concentrer sur Otto et l'empêcher de mener son plan à exécution. Yuri, faut qu'on s'occupe des grosses pointures. Toujours aucun signe d'Octavius? Non, la police scientifique ne peut même pas s'occuper de Times Square. À part le stagiaire, tout le monde dans le service est malade. C'est peut-être une solution, je vous fais signe si je trouve quelque chose. Faut aller où là? Oh. AD à toutes les unités, nous avons une attaque en cours. À tous les agents près de la caserne, répondez. Alors, à en croire certains rapports, Martin Lee, en plus d'avoir acquis des compétences bizarroïdes, comme l'autre, semble avoir récemment développé un genre de double personnalité. Baliverne, tentative éhontée d'échapper à la justice pour ses crimes. Il faudrait être idiot pour croire à ce Mister Positive qui vient en aide aux pauvres et hop, se transforme subitement en Mister Négative et qui fait sauter... Mais une petite minute. Mister Négative, on tient quelque chose là, Jared, hein? Foncez déposer la marque. Comme je le disais, le versant maléfique de Martin Lee, que tout le monde appelle désormais Mister Négative, est l'organisateur de l'attaque à la bombe sur l'hôtel de ville. Spider-Man, vous venez nous épauler? Je me suis dit que vous en auriez besoin. Et ça, c'est rien de le dire. Ce souffle du diable, j'ai jamais rien vu de pareil. La police scientifique a du fil à retordre. D'après les infos, c'est ici qu'Otto a diffusé le souffle du diable. Il a peut-être laissé... Des résidus sur ce panneau. Je peux peut-être l'isoler. Séquence initiale riche en paires AT. C'est assez prometteur. Ah non ! C'est se passer. Comment ça se passe, ça se passe? Ah non, en effet. Il y a un problème là. Attends, what? Mais non, c'était bon en fait. Le CPF a modifié de Scorp. C'est le souffle du diable.
Je devrais pouvoir retrouver la voie de dispersion. La piste part dans plusieurs directions. Je dois trouver la bonne. Ouais, faut trouver la bonne, hein. Vraiment aucune idée, mais... La piste a disparu. Ok, donc c'est pas celle-là. Les traces de vapeur mènent à ce bâtiment. Non, c'est pas dit. On va prendre de la hauteur. Non, là c'est quasiment sûr que c'est celui-là. La piste passe par cette ventilation. Qu'est-ce qu'Otto fichait ici? Il doit y avoir une porte ou une trappe d'accès pas loin. Ouais, juste là. Eh ben bonjour l'ambiance. Et on découvrira cette magnifique ambiance au prochain épisode. Allez, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous, prenez soin de rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir la oui attitude. Comme d'habitude, je suis trop cul. Quoi sa chanson, quoi ça, quoi ça dicton, je vous laisse. Je vous fais plein poutou partout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. So ciao, bye, bouti bouti, et que l'amour du pilote soit avec vous. Peace.